notamment contrer l'offensive italienne au moteur V4 de plus en plus performant, Munich réagit en proposant cette année la troisième génération de la S1000RR. La lame Teuton gagne du coup 8 chevaux, une distribution variable, des suspensions et un pack électronique optimisé. Elle perd aussi 14,5 kg en version M équipée de jantes en carbone, de quoi faire parler la poudre sur la piste du Paul Ricard, mais pas seulement. Bah, sur Estoril, on était resté un petit peu frustrés en raison de la flotte. On avait surtout pu prendre la mesure des assistances et de l'électronique redéfinie hein, sur cette troisième génération de la S1000RR. Et c'était déjà vachement bien. Mais alors là, maintenant, sur le sec, on voit carrément un autre visage à l'hyper. Déjà au niveau des modifications de son moteur. Ça envoie, il arrache ce berlingot. Il a des hauts régimes de psycho. Oh la vache, comment elle tire sur les bras en axel. Écoutez-moi ce moteur. Oh là là, il y a bien 207 chevaux, hein. Je vais tous compter un par un. On se connaît très bien maintenant. Quelle santé dans les tours là. Il prend maintenant 14 500 le machin. Oh la vache, le Ritter il est super haut. Moi je le trouve vraiment explosif dans le dernier tiers là du compte tour. Oh, et puis la connexion à la poignée elle est juste terrible. C'est fin comme gestion de l'accélération. Et évidemment on peut tout régler. Réponse moteur, frein moteur, anti-wheeling, traction control, indépendamment l'un de l'autre. Avec la nouvelle centrale à 6 axes, et on prend plus de 300. Wouhou, 300 les pas dans les quoi, comme qui rigole. Oh mais quelle larme de précision. Également, ce train avant, c'est dingue, elle est super agile. On dirait plutôt une 600 qu'une 1000. Bon, en même temps, avec son poids revu à la baisse, c'est finalement ça, hein, si je reviens 20 ans en arrière. Oh, le freinage aussi, il est redoutable. Je trouve moins brutal qu'avant, ce qui n'est pas pour me déplaire. Parce que sur les générations précédentes, j'avais un peu marqué BMW au niveau du bas-ventre, avec les freinages en mode bûcheron. C'est pas rare de se taper le réservoir. Avec quelle tenue aussi, avec ses suspensions électroniques semi-actives. Du pack dynamique, on a une bonne position de conduite aussi sur piste là, à la recherche de l'attaque, on a le cul plus haut qu'avant, on est plus dans l'appui sur les poignets, vraiment la position de conduite elle s'est rasterisée, ouais, et puis ce shifter sur piste c'est un bonheur, à la montée ou à la descente ça fonctionne bien, ça fonctionne très bien, ouais, allez j'ai vu ce que je voulais voir sur le circuit, et si on allait faire un petit peu de route, bah ouais c'est homologué, il y a des rétros. Juste précision, bien qu'extrême, la double RR reste une moto homologuée. D'ailleurs, elle peut être équipée d'un régulateur de vitesse et de poignées chauffantes, histoire de pouvoir faire admirer sa nouvelle plastique partout et en toute saison. Alors ce qu'on remarque tout de suite sur la route, c'est une meilleure présence à mi-régime. On a moins de linéarité par rapport à avant. Elle se réveille un petit peu plus tôt, entre 4 et 6. Il y a déjà pas mal de coffres, mais passé 7, il se passe quelque chose. Et passé 10, il se passe encore quelque chose. Oh là là, c'est l'explosion de joie ce moteur. C'est la Saint-Médi aujourd'hui. Et les suspates électroniques sur la route, elles apportent vraiment un plus. On sent que la moto est plus stable. Alors, il y a les autres évolutions qui ont été faites sur le châssis, hein, avec le bras aussi en rallongé et la châsse réduite. Ils ont renforcé la stabilité de la machine sans nuire à sa bonne agilité. Regardez, hop, on suit les trajectoires au cordeau. Très peu d'inertie, hein, dans les changements d'angle. Ah, précision en courbe, à l'obéi au doigt et à l'œil, on réaccère sur l'angle, il y a des assistances hein, aux petits oignons, très précises,
avec une palette de réglages assez conséquente. Freinage, ça se tasse un petit peu, mais vraiment pas grand chose. On sent que les suspates électroniques contrôlent quand même sensiblement la plongée. Elle est un petit peu plus physique qu'avant. Ça, c'est pas pour nous déplaire sur piste. Sur route, par contre, c'est un petit peu contraignant. Et puis, alors, est-ce qu'on parle du moelleux de la selle sur une hyper sportive? Pas sûr. Là, on va éviter, en fait, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, puisque de moelleux, il n'y en a pas. Il est dur, ce M, écrit sur ma selle. Il est dur. Donc, voilà. Cette double R reste fidèle aux deux précédentes générations. Elle est ultra affûtée. Elle a un moteur explosif. J'adore ces quatre pattes, un petit peu mieux rempli aujourd'hui avec la distribution variable. Et pour le reste, en termes de châssis, les évolutions ont apporté un petit peu plus de stabilité, alors que l'agilité de la machine est toujours aussi impressionnante. Bon, faut dire aussi que je suis bien chaussé. J'ai des Racetech RR de chez Metzeler. Profil très arrondi, ce qui fait que les mises sur l'angle sont encore plus sportives. Ah, c'est une sacrée arme. Certes, mais son tarif est conséquent. 23 830 euros notre modèle d'essai M Performance, doté du pack dynamique. Alors que le ticket d'entrée se négocie à partir de 19 200 euros, c'est cher. Toutefois, en version de base, elle demeure attractive face au Panigale V4 à partir de 22 790 euros et Aprilia RS V4 1100 à partir de 22 900 euros. À condition de faire le choix de se passer de pléthore d'options dans le coloris motorsport, les cartographies race et les suspensions électroniques, ce qui serait dommage. Woo!